Commence par une petite dédicace à Petit Bulle et à Scally. <laughs> et oui, c'est quand je t'ai vu, je me suis dit Il faut que, que je monte ce fameux t-shirt issu d'une d'une phrase mémorable d'Aurélie pendant une table ronde et immortalisée par un graphiste de qualité et néanmoins un développeur. Enfin, voilà. on peut avoir des métiers, des passions différentes. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Et eh bien salut à tous, salut euh, Tix le Geek. Euh, oui, là j'ai posé les lunettes, mais t'inquiète Charles, je vais pas tarder à les remettre, puisqu'il va falloir que je regarde ce qui se passe sur l'écran euh, dans, dans, ma, dans ma fenêtre de texte. Donc euh, ça va pas durer. Et eh bien c'est parti pour une nouvelle semaine. Euh, après un charmant week-end ensoleillé. Alors, ici à Lyon, c'est pas, pas Jojo. C'était le point météo. Hop là. Euh, Qu'est-ce que. Par quoi on va commencer ici si, Je vais commencer par. Euh... Sans les lunettes, c'est mort. Non, ça fonctionne, mais. Euh... Pour la petite histoire, j'ai été myopéastigmate depuis que j'ai 11 ans et j'ai été opéré il y a une dizaine d'années. Euh... Une opération laser qui s'est super bien passée, mais euh, pour ce qui est de la presbytie et donc de la lecture de près, je suis obligé de mettre des lunettes. Donc le travail sur écran, c'est le retour des lunettes. Euh... Charmante nouvelle. Je vais donc euh, tout de suite, on va commencer avec une toute petite news d'aujourd'hui. Hop. Et puis je vais mettre les lunettes, comme ça tout le monde sera content. Club troisième âge, je te dis pas avec mon arrivée au club troisième âge, le bordel que ça va être, mais bon. Oui, merci Kongduino. Formidable. Je vois que vous prenez des notes d'une fois à l'autre, contrairement à moi, c'est bien. Donc comme le fait remarquer euh, Kangduino, pour ceux que ça intéresse, on a un Discord sur lequel on échange autour de tous nos projets. Et vous êtes euh, les bienvenus. Quand vous arrivez, n'oubliez pas de, de faire une toute petite présentation, hein, pas un roman, une ligne ou deux, ça suffit. Histoire que je vois si on vous incorpore euh, au reste du, du Discord, ce qui devrait être le cas. Et puis voilà, donc sachez que le Discord de la tentation vous est ouvert. Mais n'ayez pas peur pour votre porte-monnaie, ça va mal se passer. Donc, en même temps, vous avez dû voir dessous ce que je vous ai partagé, ça m'a fait rigoler ce matin. J'ai vu passer, enfin, rigoler en même temps, c'est un sacré projet. Quelqu'un qui a commencé à, à bosser sur un, un port de LUA pour, euh, pour la Raspberry Pico. Donc, ma foi, pourquoi pas hein euh, Il en est vraiment en phase un peu. Euh, on va dire démo, hein. c je pense que c'est pas c'est pas sec et c'est pas tout utilisable, évidemment. Je vous mets le lien. Mais euh, ouais, moi je trouve euh, intéressant euh, que les gens euh, s'essayent à plein de choses euh, variées. Donc si j'ai bien saisi, euh, non seulement il y a la possibilité d'avoir euh, du code LUA qui tournerait sur le PICO, mais il a fait un espèce d'ensemble. Euh, il fait des comparaisons avec MicroPython, mais... Euh, je pense que ça serait plus proche de faire des comparaisons avec circuit de Python puisqu'il a une interaction avec le shell qui permet de faire des copies de fichiers. Enfin, il a rajouté des fonctions qui manquent de base, on va dire, pour, pour rendre plus simple quelqu'un qui voudrait coder sa vie serait plus simple avec ce genre d'outils Donc il y a un petit, un petit shell, il y a un petit des petits trucs comme ça. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Euh, la deuxième chose que je voulais vous montrer, euh, et puis je vais bien sûr vous mettre le lien. J'ai toujours pas fait évidemment hein, le code avec le RGB keyboard qui me permettrait d'éviter de regarder sur le coin de l'écran à chaque fois que je vais vous partager quelque chose. Ah, C'est juste quand j'ai besoin de vous partager ça que le copier-coller marche plus. C'est quoi l'idée Qu'est-ce que j'ai oublié Hop on va y arriver on va passer par Hop, ça devrait aller voilà c'est donc Profile Switcher alors pourquoi c'est euh, ce week-end euh, depuis vendredi soir je me suis un petit peu acharné euh, avec la l'arrivée à la maison de cette jolie petite montre euh, LIGO Unité Watch version 3. Le, la plupart des, des projets que j'ai trouvés, euh, c'est du C, du, du c euh, Arduino pour le SP32 qui est à l'intérieur. Mais la plupart des projets utilisent euh, Platform.io que je ne connaissais pas trop en fait. Et euh, donc ça nécessite, euh, pour euh, que ce soit sympa à utiliser, de passer par, euh, par VS Code. Il y a une extension dédiée à ça. Mais euh, je me suis dit qu'à force d'empiler de, les extensions, c'est vrai que mon VS Code, euh, finalement, il euh, y a de quoi faire du web. Il y a des plugins autour de JavaScript, TypeScript, euh, enfin, plein d'outils de ce genre-là. J'ai toute une série d'outils d'extension autour de Python, et maintenant j'en ai avec Platform.io. Et donc je trouve ça un peu dommage, j'aurais voulu pouvoir séparer les choses. Et donc le, le principe de cette extension, c'est euh, de vous permettre de créer des profils avec euh, des extensions particulières. Alors, je l'ai essayé, euh, ça fonctionne, mais euh, ce n'est pas exactement ce que j'aurais voulu parce que euh, quand vous changez de profil, euh, il désinstalle les extensions présentes, ou en tout cas, il fait la différence entre les extensions présentes et celles que vous allez vouloir, euh, que vous avez euh, enregistrées sur ce profil, et il va enlever celles qui sont de trop et rajouter celles qui sont dans le profil. Mais à chaque fois, c'est donc. Euh, Désinstaller, réinstaller, enfin il y a l'accès réseau et compagnie, euh, donc c'est pas exactement ça. Euh, comme j'avais posé la question au départ sur euh, Twitter, il y a quelqu'un d'autre qui m'a parlé d'une façon de lancer euh, le binaire de VS Code qui permet de rajouter un tiré tiré extension dir ou un truc comme ça, qui fait que euh, en fait il va stocker les extensions dans un répertoire particulier et euh, bah, il suffit de le lancer avec un extension dir différent. Et le jeu d'extension que vous aurez sera différent. Donc je pense que je vais plutôt m'orienter vers ça, puisque ça permet d'une fois d'installer, bah de ne pas, euh, parce qu'on change de profil, euh, se retrouver à, à réinstaller à, à chaque fois. Là ça va à la maison avec la fibre, mais si jamais je sais pas, je bouge, je suis dans un coin où il y a moins de réseau euh, ce n'est pas, pas forcément agréable. Donc bon, ça peut ça peut dépanner hein, pour ceux qui, qui seraient intéressés. Euh, je ferai... Alors ça je l'ai essayé, voilà, je vous dis ce que... Ce que j'en pense maintenant, euh, voilà, je ferai le test avec le extension Deer et je vous dirai, euh, je vous dirai ce que ça a donné euh, pour moi, si, si ça convient ou pas, si c'est agréable. Donc voilà les, les toutes petites news. Et puis bah, sans plus attendre, j'avais promis à Charlito de continuer euh, la, la petite initiation à, à Git que j'avais commencé dans une émission précédente. Euh, ça devait être Calme 32 ou 33, il faudrait vérifier. Euh, je pense que je vais essayer d'extraire euh, la première vidéo, euh, juste isoler la partie dans calme où je parlais de tout ça, pour en faire euh, une ou deux petites vidéos euh, dédiées, tiens, ben voilà Patrice, ça, ça va te concerner aussi. Euh, et ce que je me demande, c'est si, moi j'aime bien vous le montrer euh, quand je fais un live, mais en l'isolant dans une vidéo à côté, je ne sais pas si ça sera toujours aussi propre et net, peut-être que je le réenregistrerai rapidement pour, pour avoir un truc plus concis et plus propre. Euh, toujours est-il qu'aujourd'hui, euh, on va enchaîner euh, par rapport à l'autre fois où on était resté sur des manipulations de base dans le terminal, dans le shell, euh, pour se déplacer dans des répertoires, pour en créer, en supprimer, euh, lister les fichiers dedans, et puis on avait vu euh, les, les premiers principes pour faire en sorte que, un répertoire qui contient un de vos projets devienne un, un repository Git avec le Git init et puis les, les Git commit. Donc là, on va voir l'étape d'après qui est quand même celle qui est intéressante, à savoir, là par exemple avec GitLab, mais c'est vrai aussi par exemple avec GitHub ou, euh, ou avec Bitbucket, euh, d'avoir un, un repository Git euh, hébergé dans un, un service plus large comme, comme GitLab et pouvoir partager avec d'autres par exemple, mais pas que. Je vais donc euh, bah, vous montrer aujourd'hui euh, comment ça fonctionne euh, à partir d'un répertoire pour, euh, pour pousser un projet dans, dans GitLab. Euh, on va suivre euh, ce que je vous avais dit, c'est qu'il y avait tout ce qu'il fallait, euh, et c'est vrai aussi euh, pour GitHub, les deux j'en suis sûr, c'est des choses que j'ai fait plusieurs fois. Quand on crée un nouveau projet, il y a tout un tas d'explications euh, sur euh, comment le récupérer sur votre machine, ou si vous avez, comme là on va faire euh, maintenant, Besoin de pousser un répertoire existant euh, qui est un projet que vous voulez pousser dans GitLab, il y, y a les explications pour les différents cas. Donc on, on va suivre ça et puis ben je vais essayer de détailler et euh, ben, profitez-en si vous avez des questions. Pour ceux qui, euh, qui ne seraient pas à l'aise avec tout ça, euh, il va me falloir une deuxième chose que j'ai pas lancée là. Il va me falloir le, le terminal. J'en ah étais là, vous voyez, j'avais même pas fini. Euh, on va faire ça avec le, le bout de code euh, euh, que, euh, que je vous ai montré l'autre jour euh, quand euh, je vous ai montré la manipulation de l'API de ECAM. Euh, J'ai des scripts euh, que je voudrais partager, qui sont certainement pas ce qu'il y a de plus propre, mais euh, euh, qui vont évoluer et je voulais les partager notamment avec Philippe. Et euh, l'idée, ça serait de faire un repository sur GitLab qui contiendrait ce, ce projet autour de autour de ECAM et de la façon de contrôler par les API. Euh, là, je voulais juste le renommer, donc vous voyez, c'est une nouvelle instruction qu'on n'avait pas vue l'autre fois. C'est la commande mv. Le nom de départ c'était explore stream deck. Vous le voyez dans la liste au-dessus où j'avais fait le, le ll, rappelez-vous, ls-l transformé en alias. Et à partir de là, euh, donc c'est ecam control. Je vais aller dans mon répertoire ecam control. Je fais alors soit ls, soit ls-l. Soit chez moi j'ai un alias LL qui fait la même chose. Donc vous voyez là euh, les fichiers Python que je vous ai montré dans la démo. Il se trouve qu'il y a aussi un sous-répertoire Stream Deck qui contient en fait le, le petit bout de code en switch que je vous ai également montré dans le, le live l'autre fois. Donc je vous montre aussi pour que ce soit complet quand on veut effacer RM-RF et le nom du répertoire, ça va effacer le répertoire et tous ces fichiers. C'est la commande où il faut toujours bien relire. Euh, pour éviter d'effacer de, par erreur quelque chose qu'il ne faudrait pas, puisque le tiret rf va être récursif et effacer tout ce qu'il y a dessous. Le f va répondre oui, oui, oui vas-y, efface, efface. Donc voilà. Et à l'arrivée, on a donc, je vais pousser ces quatre fichiers qui ne seront peut-être pas au final d'ailleurs le, le projet tel que je le souhaitais, mais, euh, mais pour l'instant ça va bien aller. Retour sur le, le site web de GitLab. Donc je vous avais dit de vous créer, euh, créer un compte. Quand vous vous connectez, bon, ben là il y a la liste des projets que, que j'ai déjà, mais même si c'est vide à cet endroit là vous allez avoir le, le bouton new project sur le côté ou nouveau projet peut-être si vous utilisez l'interface en français ce qui n'est pas mon cas et euh, vous allez utiliser le premier euh, le premier gros panneau qui est create blank project on crée un projet vide euh, parce que par défaut il ne vous propose pas d'aller chercher directement sur, euh, sur votre machine c'est pas possible directement comme ça et les autres ce sont des, des, cas, euh, des cas différents euh, dont on n'a pas l'usage pour l'instant je vais l'appeler euh, de la même façon que mon répertoire, mais ce n'est pas obligatoire. Hein. Euh, vous allez voir ici que ça correspondra au, au, à l'URL du projet au final, euh, si vous voulez le partager avec quelqu'un. Je vais rajouter euh, une petite description euh, pour dire que c'est le projet contenant euh, les différents scripts pour manipuler. l'API de Ekam Live. voilà. Euh, je veux le partager, je vais le mettre en public, mais si vous décidez de travailler dans un premier temps en mode privé, c'est-à-dire inaccessible par cette interface-là, vous pouvez, vous pouvez le faire. Euh, généralement, c'est une bonne idée de l'initialiser en mettant un, un readme qui apparaîtra sur, le, sur le, le, la partie GitLab et qui est la chose qu'on voit en premier, genre redonner un peu les explications de la description. Si vous avez des consignes à donner, c'est le moment de le faire. Euh, là aujourd'hui, et surtout pour ceux qui euh, démarrent, euh, je pense notamment à Charlito qui a déjà des répertoires prêts à, prêts à pousser, euh, ne mettez pas le Readme parce qu'en fait, euh, ça voudrait dire que votre repository ne sera pas réellement vide dès le départ, il y aura déjà un fichier Readme et ça nécessiterait que vous ayez déjà la problématique de vous synchroniser alors que là on aura déjà assez de choses à faire pour une première fois. Donc ne cochez pas le Initialize Repository With a Readme et vous faites tout simplement Create Project. Donc là, à partir de là, euh, sur gitlab.com, euh, si on va à l'adresse euh, gitlab.com slash titimobi slash ecamcontrol, euh, je peux d'ailleurs vous le mettre, il hein, n'y a pas de C public, j'ai décidé de le partager, donc il n'y a aucun souci, voilà, euh, vous verrez pour l'instant euh, rien, puisqu'il n'y a rien dans ce repository, à part la description qui est une information GitLab, ce n'est pas un fichier. On voit ici qu'on vous conseille un certain nombre de, de manipulations à faire, donc, il y a quelque chose qui peut être intéressant dont je n'ai pas parlé l'autre fois, c'est de configurer Git sur votre machine pour avoir un nom d'utilisateur particulier et un email particulier qui sera utilisé quand vous allez faire vos commits. Alors je ne le fais pas parce que sur ma machine, j'utilise pas. Alors j'ai une configuration globale qui correspond à mes settings, on va dire perso, mais j'ai surtout des projets pour le boulot où j'utilise une configuration cette fois-ci locale et non pas globale. Avec des utilisateurs et des emails particuliers pour le, pour le boulot. Euh, vous inquiétez pas spécialement pour ça dans un premier temps, euh, vous êtes tout seul, vous démarrez, vous apprenez Git, vous prenez pas la tête. Vous avez votre répertoire, comme moi là, avec vos fichiers. Vous n'avez pas forcément euh, fait euh, avec moi l'autre fois la, la partie init, qu'on va revoir ensemble, comme ça vous serez tranquille. On va regarder euh, toute cette partie là que je, je souligne, qui est push an existing folder ça veut simplement dire vous avez un répertoire avec des fichiers il n'y a rien d'autre qui a été fait et vous allez vouloir le pousser donc euh, bah, le cd euh, pour euh, aller dans le répertoire on vient de le faire je vais essayer de vous montrer tout en même temps peut-être grossir un petit peu voilà. dites moi si c'est pas très visible le le, le shell n'hésitez pas à me le dire je vais essayer de scroller ah, mais je ne peux pas feinter comme ça c'est pas grave, on va le faire au fur et à mesure. Peut-être réduire comme ça. Hop. Voilà. Il y aura peut-être suffisamment de visibilité pour vous. Euh, donc, ce qu'on vous dit, une fois que vous êtes dans votre répertoire, eh bien, la première chose à faire, sans parler du fait de le pousser dans GitLab, vous vous rappelez de ce qu'on a fait l'autre fois, il faut lui dire que, eh bien avec Git, on va vouloir gérer un repository Git. Donc, il faut l'initialiser et ça passe par la commande git init. Donc là. C'est parti, on a euh, le repository au sens, euh, au sens git qui est, qui, est, qui est bon. Un peu plus petit pour le troisième âge, un peu petit pour le troisième âge, ben là c'est assez gros maintenant Charles que j'ai augmenté, non Encore je grossis encore, dites-moi, hein, je peux encore grossir. Hein. Là j'ai juste fait la commande git init. Je ne vais pas te les tu la connais Charles toi, coquin. Euh, ensuite, vous voyez sur, euh, sur GitLab dans la suite des instructions, après le git init, il vous donne une commande. Que vous allez pouvoir recopier directement je vais vous dire ce qu'elle fait c'est peut-être pas assez étendu comme ça on va faire plutôt comme ça voilà mieux voilà on va lui dire par le biais de la commande git on va utiliser la première sous-commande qui est remote qui va gérer euh, tout ce qui va euh, concerner euh, les accès distants et non plus local à votre machine on va lui dire de rajouter euh, de rajouter euh, un élément que, que Git a besoin pour savoir de quoi vous êtes en train de parler. Et cet élément, en l'occurrence, on va l'appeler « origine ». C'est une espèce de convention qu'on va rencontrer souvent dans les projets qui sont hébergés sur GitHub ou sur GitLab. Et cette origine, eh bien, ce sera, vous voyez cette adresse, git git.lab.com, c'est ni plus ni moins que l'adresse qui sera utile aux autres aussi pour récupérer le projet. Euh, petite parenthèse que j'avais évoquée l'autre fois. Suivant comme vous configurez euh, votre, euh, votre compte Git, euh, vous allez utiliser soit des adresses comme là euh, avec euh, git@base, soit des adresses éventuellement HTTP. Les deux sont possibles et je pense que ça donnera lieu à une petite vidéo pour vous montrer comment ça se passe, euh, où je vous le montrerai peut-être à la fin là euh, comment, comment ça fonctionne. Il y a une notion de clé à rajouter. Euh, C'est pareil, vous êtes guidé euh, pour euh, par GitLab ou par GitHub, il vous explique comment le faire. Donc là, on, donc, je vous le répète, on lui dit qu'on va gérer un, un accès remote, puisque pour l'instant, on a juste quelque chose de local, et cette référence remote qu'on va dorénavant, euh, partout dans les commandes Git, appeler avec le petit mot-clé « origine eh », et bien ça va représenter cet accès euh, qui pointe sur « git@gitlab.com et le nom de mon, de mon repository. Donc là, voilà, c'est fait. Euh, Éventuellement, là il ne vous le précise pas, mais vous pouvez hop là, exécuter la commande git remote-v qui va vous montrer qu'il a bien rajouté euh, euh, origin. Vous en voyez passer deux euh, parce qu'il va noter que cette, euh, cette référence origin, vous allez pouvoir euh, récupérer des choses, c'est ce qu'on appelle le fetch, vous allez pouvoir pousser des choses, c'est le push. Donc là, il a bien enregistré. Euh, je vous rappelle qu'on est toujours dans mon répertoire ici avec mes fichiers. On a juste fait git init. Rappelez-vous l'autre fois, ça ne suffit pas. Si on fait la commande git status, vous vous rappelez que euh, ça vous indique qu'il y a un certain nombre de fichiers qui ont besoin d'être euh, d'être poussés. Euh, je vais au passage effacer ce sous-répertoire qui me sert en fait, parce que j'ai édité avec l'outil PyCharm de JetBrains, mais là pour les, les besoins du jour. Hop. Nous avons donc tous ces fichiers à rajouter, et puis vous le dit tract file, git add, ça tombe bien, puisque la manipulation d'après euh, sur GitLab, on vous dit, attention, il faut rajouter vos fichiers euh, avec la commande git add. Point. Donc là, on va se retrouver... On vérifie avec le git status. On a euh, des changements qui sont prêts à être euh, commités euh, Et donc euh, la suite sur GitLab, euh, eh bien, c'est exactement ce que nous avons besoin de faire maintenant. Nous allons faire le git commit. Et rappelez-vous, on rajoute un commentaire. Je recopie exactement ce qu'ils avaient mis. Eux. Vous mettez ce que vous voulez. Hein. C'est le premier, euh, le premier texte de, de commit qui, qui apparaîtra sur votre repository. C'est vous qui décidez ce que vous mettez. Donc là, il me, il me crée tout ce qu'il faut pour préparer. Donc là, j'ai un, un commit. Hein, voilà. Il n'y a plus rien, à, a plus rien à, à envoyer en termes de commit. Mes modifications sont, sont bien dans un commit propre. Et la dernière commande, c'est celle qui est importante et qui va faire le lien avec ce qu'on vient de créer chez GitLab. On va faire git push. Donc push, c'est bien je suis sur ma machine, je vais pousser en direction de GitLab en l'occurrence. Je dis GitLab, mais le, le remote que nous avons indiqué s'appelle Origin, rappelez-vous. Donc git push origin. Et on va pousser quoi Puisque pour l'instant, on n'a rien fait. On va, brancher la, on va pousser pardon, la branche par défaut qui s'appelle toujours Master. Tiens, dans GitLab. Je pensais qu'ils avaient changé. Eh bien, elle est pas mal celle-là. Euh, C'est moi, pardon. Autant pour moi, excusez-moi. Et vous n'oubliez pas le ⁇ le -U ⁇ puisque c'est euh, la première fois que, que vous poussez. Donc là, j'ai fait l'erreur de ne pas recopier euh, exactement, de faire le copier-coller de ce qu'on vous indiquait dans gitlab.com. Il faut rajouter le ⁇ -U ⁇ parce que euh, c'est une notion après-derrière. Ça vous permet de spécifier l'upstream. Et je vais recopier de travers, ça ne marche pas. Mais c'est sympa, c'est sympa. Super. Super la démo en même temps qu'on fait un live, super. Euh, ça, ça sent qu'il y a un problème. Je suis pas reconnu dans GitLab, pourtant c'est étonnant. Euh, eh c'est peut-être tout simplement qu'il n'y a pas de. Ah oui, joli, je crois que j'ai compris. Voilà, je vous ai dit un truc et. On va vérifier. Non, voilà, c'est ça. Il passe par cet écran là. Euh, donc ça c'est intéressant. tiens Je vais faire la remarque à, à GitLab dans la dans la documentation. On vous dit de faire git push-u origin, ça, ça c'est bon. Et on vous dit de pousser master qui est la branche par défaut. Sauf que, c'est bien ce que je vous avais dit l'autre jour, dorénavant les branches par défaut s'appellent main. Donc là il y a une petite erreur dans la doc. Euh, bah, je, vais leur, je vais leur signaler. Hein. Euh, là il me signale que ben c'est étonnant, je pensais que c'était le cas. C'est le fait que... Ah, je ne l'ai pas positionné. Eh ben, comme ça on va être obligé de le faire ensemble. Euh, je vous remontre, on va faire dans l'ordre. J'avais vraiment pas prévu d'aller aussi loin dans le détail. Euh, J'ai utilisé une URL euh, directement comme ça, git.gitlab. Ça veut dire que euh, mon repository... Euh, Va connaître une, une, clé, une clé SSH et va être capable d'interagir. C'est quand même bizarre que ça ne marche pas, ça. J'étais persuadé que je l'avais fait, je suis bien surpris. Euh, comment est-ce que je vais vous montrer l'imprévu, comme dirait l'autre euh, Je ne sais pas si directement chez GitLab, je pense qu'ils ont la doc. Euh, hop, en avant. Donc normalement, si tout s'est bien passé en suivant les instructions que je vous ai montrées, vous êtes censé dorénavant avoir votre repository en état de fonctionnement. Euh, je pense que c'est cette doc là. Je vais vous la mettre en lien et je vais vous expliquer ce qu'on va faire en espérant que je ne suis pas en train de vous dire des bêtises et que je pars dans la bonne direction. On va voir ça ensemble. Euh, le principe ici... Quand on utilise ces. C'est euh, pour éviter à chaque fois, si on utilise l'URL HTTP euh, quand on rajoute l'origine, on va être à chaque fois obligé d'entrer un utilisateur, un mot de passe, enfin, c'est un peu, un peu casse-pied. Euh, L'idée c'est que votre machine dorénavant sera reconnue par GitLab, en tout cas sur votre compte, et euh, ça passe par le biais du, du protocole SSH, et, euh, et pour ce faire vous allez avoir besoin d'une clé. Donc euh, peut-être que d'ailleurs là je suis peut-être un peu mauvaise langue. Euh, Est-ce qu'on peut pas euh, Est-ce que c'est sur le e, -E ou ailleurs Il doit y avoir la doc en français aussi. Hein. Ouais, je vais vous le faire comme ça. Donc il faut euh, tout d'abord, si ça n'est pas déjà le cas chez vous, euh, avoir ce qu'il faut pour gérer euh, les clés SSH. Ça peut passer par l'installation. Euh... Non, c'est bon. Si vous avez installé Git, de toute façon, vous avez déjà tout ce qu'il faut, puisque Windows installe Git Bash et en même temps, elle vous installe OpenSSH. Donc, vous avez un outil qui permet de générer des clés, ça s'appelle SSH Keygen. Donc, vous pouvez suivre la procédure qui est indiquée ici pour clé, créer vos clés, qui vont se retrouver normalement dans votre répertoire .ssh dans votre répertoire utilisateur. Et ensuite, donc là, on vous indique un certain nombre de manipulations à effectuer qu'on va faire ensemble. Tac. Donc là, c'est pour savoir si vous avez bien un agent SSH qui tourne. Moi, ça répond bien que j'ai un, un PID qui fonctionne. Et pourquoi est-ce qu'il veut que je rajoute Si, d'accord. Ok, mais elle est déjà là. Je pense que je fais une bêtise là. Vous faire le truc sans le préparer, je pense que j'ai fait une bêtise. Hop, et on va rajouter... Euh, ouais, mais il l'a déjà en fait. Je sais pas pourquoi il me demande ça. Bah ben oui il me demande... Euh, directory to Private SSH key. Ben, voyez. Ah, je ne voulais pas rentrer dans ces détails-là sans le préparer proprement avant, puisque là c'est le buzzer. Euh, directory for private SSH key. Bah ben mais je ne vais pas lui donner autre chose. Il me demande un directory et il ne le veut pas derrière. Qu'est-ce qui lui va pas là Là je colle, hein. si quelqu'un a une idée. Euh, je suis leur commande SSH-AD qui dit de mettre un directory. Euh, le directory pour les private keys, ce qui est le cas, moi c'est point CsH et visiblement ça lui convient pas. Bon. bon. De toute façon, on va passer à la suite. Moi je l'ai celle-ci. Euh... Hop, on a besoin de ça. Ça m'étonne quand même. Ça m'étonne. Hop. Voilà, J'ai un certain nombre de choses qui existent déjà c'est ouais, peut-être. Mais c'est bizarre comme c'est mentionné. Je voulais essayer de suivre exactement la documentation. Il précise un directory, donc euh, j'aurais pas mis. Euh, euh, ouais. Et pourtant, je l'ai mis. Enfin, bref, on va réessayer ça derrière. Euh, hop. On va recommencer avec le SSH, mais. En mettant le pub. Il se passe des choses sur cette machine, je vous jure. Notez bien la vidéo et faites-vous des ralentis parce que là je pense que on n'a pas fini de rigoler. Non, c'est la private key. Qui c'est qui m'a soufflé cette bêtise, hein Oui, c'est ça. Voilà. Donc effectivement, c'est bien la, la clé privée. Euh, mais c'est bizarre. Je vais vous remettre le texte. Non, non pas de problème, Goose. Le, le texte n'est pas clair dans la doc en fait. Euh, on vous dit de faire ssh -add et on vous précise directory to private ssh key. Donc euh, on aurait pu mettre path si c'était pour le chemin avec la clé euh, complète. Toujours est-il que euh, j'ai donc rajouté cette clé, donc c'est la clé privée, celle sans l'extension .pub, qui a été rajoutée avec le ssh-add. Je l'ai rajoutée, je vous le remontre euh, dans le fichier euh, comme indiqué en dessous, où il vous dit d'aller voir votre fichier de config. J'ai rajouté la, la mention de gitlab.com, ça veut dire qu'il va utiliser cette clé quand il va utiliser euh, gitlab.com. Qu'est-ce ce qu'ils nous font faire non ça c'est bon ça c'est bon et là voilà c'est plus intéressant euh, je sais pas si j'ai pb copie je te jure on va vérifier si il est donc après suivant votre os on vous donne une commande qui va vous permettre en fait de récupérer la clé que vous venez de générer euh, au format texte donc il y a plusieurs façons de procéder moi je veux bien utiliser la leur hein. je vais pas faire le difficile euh, et ce coup ci n'oubliez pas il s'agit de la clé publique hein. la clé privée euh, reste chez vous et c'est la clé publique que vous allez enregistrer euh, donc tac et hop ça les joies de macOS donc euh, je sais que ça fait beaucoup pour, euh, pour ceux qui se baladent. Je vous prendrai en main sur le Discord hein, si vous avez ce, ce besoin-là. Mais euh, euh, la copie de la clé peut se faire de plusieurs façons. Euh, si elle vous pose souci, on le verra ensemble. J'aurais tendance à utiliser euh, la version euh, euh, telle qu'elle est indiquée là en la copiant. En faisant attention, non, ça devrait suffire. Simplement, là, ce que ça fait, ça vous permet de, de bien récupérer le contenu texte de cette clé publique en évitant le caractère de, de retour à la ligne. Et ça le copie dans le. Dans le clipboard, ça le stocke euh, pour le copier-coller. Après, on vous indique d'aller sur votre compte GitLab, d'aller sélectionner votre avatar et d'aller dans les préférences. Euh, je ne vous cache pas que dans le doute, je ne sais plus ce qu'il y a sur cet écran. Vous allez vous contenter de ma tête le temps que j'aille voir ce qu'il y a dedans. Donc, ils disent d'aller sur l'avatar et d'aller dans préférences. Il y a bien un menu préférences. Et ensuite, ils vous disent dans préférence d'aller dans la barre à gauche dans SSH keys. Euh, ouais, je pense que je peux vous montrer ça. Les clés sont pas complètes. Je vais faire comme ça. Je vais vous montrer mon écran un instant. Hein. Hop. Voilà. Hop. Donc, euh, on vous dit d'aller sur Avatar ici. L'avatar euh, ici, euh, vous avez un menu pardon, qui va s'appeler Preferences. Et sur la gauche, vous avez l'option SSH, SSH Keys. Et euh, eh bien, vous allez faire ici, dans cette zone, le coller du texte que vous venez de récupérer. C'est génial parce que je viens de vous faire avoir ma clé RSA publique. Donc, euh, je la dégagerai juste derrière. Vous ne faites pas chier. Euh, à essayer de, de jouer les malins avec cette clé publique de euh, toute façon ça vous servirait juste à donner accès à votre GitLab à ma machine donc ça ne serait pas très malin et vous faites add key oui oui il s'agit des clés publiques donc c'est pas grave j'ai donc rajouté cette clé publique comme il l'indiquait voilà j'aurais pu mettre un titre mais bon c'est pas grave j'irai faire le ménage et le point le dernier point important pour savoir si ça a fonctionné c'est de lancer cette commande qui va essayer de lancer euh... euh, c'est plein de dites donc c'est quoi cette doc chez monsieur gitlab là je suis tombé sur un... il y a un pet là on va aller voir sur la 311 et le test se fait bah si pourtant Qu'est-ce que c'est que cette idée là donc, Normalement on cherche à se connecter à GitLab. Pourquoi ils rajoutent euh, exemple.com C'est ça qui me paraît suspect. Donc leur doc est encore fausse sur ce point. Ah bah elle est pas mal celle-là, donc deux, deuxième erreur euh, dans la doc. Bonjour euh, Recney. Donc euh, eh bien j'ai bien fait de finalement c'est pas plus mal que je me sois planté pour vous. Sachez que cette ligne. Ah d'accord. Ok, c'est moi qui le lis pas tout. Bouh le vilain. Bon, enfin je trouve que pour euh, un truc par défaut, c'est quand même pas joli joli. Euh, il faut savoir que GitLab a le service gitlab.com sur lequel vous pouvez vous inscrire, mais vous pouvez avoir vos propres instances. Euh, soit... Enfin il y a différentes versions. Euh, bref. Vous pouvez vous retrouver avec une autre URL de votre instance GitLab et donc il faut faire ici le ssh-t. Ils, voilà, ils auraient dû ici mettre quelque chose entre crochets pour dire que vous avez à saisir. Euh, moi il se trouve que j'étais visiblement déjà bien connecté donc je trouve c'est suspect tout ce qui s'est passé derrière mais peu importe. On va vous demander de vérifier que cette empreinte c'est bien gitlab.com et que vous voulez bien l'enregistrer sur votre machine. Donc tout va bien. Et si vous avez un souci, il euh, y a euh, plus d'informations disponibles avec euh, rajouter les V derrière le tiret T. Donc là, normalement, maintenant, attention roulement de tambour. Euh, J'ai cliqué là-dessus. Donc du coup, vous n'allez plus avoir. C'est dommage. Si on y était. Donc là, on avait la première faute de doc qui dit de pousser sur master alors que c'est main. Et donc maintenant que ma clé est bien enregistrée, vous allez avoir. Donc là, il vous met un certain nombre d'informations. Si c'est un peu long ici, il y a le, le writing object qui va passer. Il m'indique que euh, bah, ma branche main, elle est bien, euh, grâce au tiré u qu'on a rajouté dans la commande, elle est bien euh, traquée et suivie. Euh, tout va bien avec Origin. Et euh, dorénavant, dans Ecam Control, à ce niveau-là, si je rafraîchis ma page. Vous avez mes fichiers qui sont euh, disponibles. Donc je vous confirme que je referai une vidéo euh, à part pour la remettre euh, sur ma chaîne YouTube pour ceux qui voudraient un tuto euh, Git. Peut-être que je cumulerai et que je referai euh, l'initiation terminale enchaînée avec l'initiation Git. On fera peut-être ça euh, d'un coup. Euh, C'est un peu dommage là qu'il y ait cette, euh, cette petite complexité là au milieu. Peut-être que je vous montrerai comment on fait avec HTTP, qui t'a tapé les noms du user. C'est peut-être ce qu'il y a de plus simple. Toujours est-il que vous avez euh, votre repository local où vous aviez votre code. Dorénavant, c'est bien un repository Git. Il est bien poussé sur GitLab. Et maintenant, il bah, y a euh, soit vous le faites en local et vous le repoussez. Euh, mais vous avez un certain nombre d'opérations que nous verrons ensemble qui sont importantes, à savoir. On vous les suggère GitLab, je trouve que c'est super bien fait là-dessus. On vous suggère de rajouter un README pour expliquer à quelqu'un qui tomberait sur ce repository euh, toutes les informations que vous voulez. Euh, Ajouter pour, pour rendre public un repository, c'est bien quand même d'expliquer ce que vous avez l'intention de faire. Est-ce qu'il y a des, des particularités euh, C'est très important, même si c'est quelque chose que vous souhaitez partager, de spécifier la licence que vous voulez utiliser. Si je clique sur le plus Add licence, il faut savoir que GitHub comme GitLab vous propose des templates de licences existantes. Euh, moi, généralement, je tourne avec la licence MIT. On verra ensemble. Là, je vais, je vais le faire, mais on refera sur un, un, je referai sur une autre vidéo le détail de tout ça. Il vous permet directement, sans repasser par votre machine locale, il vous permet de rajouter un fichier de licence. Voyez il vous propose de rajouter le commit. On est dans la branche main et il vous propose même de committer ce changement. Ça me permettra juste de vous montrer ici que dorénavant votre repository a bien les fichiers que j'ai sur, sur ma machine plus un fichier licence qui n'existe pas euh, tant qu'à faire qu'on est dans les modifications euh, voilà on va rajouter le readme Un peu trop pour un premier pour ceux qui voulaient faire des étapes ça va vous rajouter beaucoup de choses mais c'est un peu nécessaire et donc à partir de là bah, vous avez vous avez de quoi de quoi bosser on continue de, de, voilà, de vous indiquer alors là on vous dit qu'il y a bien un fichier readme qui a bien une licence en l'occurrence MIT on vous propose de rajouter un certain nombre d'autres fichiers qui peuvent par la suite vous servir quand votre projet se complexifie. On verra un petit peu les usages de tout ça dans d'autres vidéos. Euh, peut-être que je peux me casser la figure en direct et vous montrer. Alors peut-être que la doc. Il y, y a quand même pas mal de petites pétouilloux petites là dans la doc. Je, je pense que c'est ouvert à contribution, donc je leur signalerai. Notamment le fait d'indiquer master dans la doc, alors que la branche dorénavant par défaut, puisque je n'y ai pas touché, c'est moi qui dis une énorme bêtise. Ça y est, j'arrive, ça n'est pas GitLab non plus. Euh, la branche main, c'est parce que sur ma machine par défaut, euh, j'ai configuré Git, c'est plus master, c'est main quand je crée un projet. Donc c'est bien moi, ça n'est pas GitLab, excusez-moi, messieurs GitLab. Euh, tous mes projets dorénavant quand je les initialise avec un git init, bah, la branche principale c'est main et c'est pas, pas master euh, est-ce qu'on tente ça je ne sais pas, je suis un petit peu affamé pour tout vous dire finalement, j'ai pas pris le temps de manger euh, l'étape suivante c'est de récupérer votre code euh, Peut-être que je peux vous mettre cette page-là parce que ouais, c'est celle-ci. Il y a quand même pas mal de choses intéressantes sur cette page. Euh, je vais vous la mettre aussi en copie. Je vais vous la rajouter, je la mettrai sous la vidéo et je vous la mets maintenant. C'est un, un rappel des, alors de, des commandes qu'on a vues ensemble. Hein, euh, le git init. Euh, le git clone, on verra dans une prochaine vidéo, c'est quand vous récupérez le projet, euh, soit le vôtre, soit de quelqu'un, mais que vous le récupérez sur une machine où vous ne l'avez pas encore. Euh, il vous parle du git init. On peut, euh, on peut le tester. Hein. Vous avez la commande pool qui va vous permettre, normalement, si tout se passe bien. De récupérer comme là les changements, j'ai rajouté un readme et, euh, et un fichier de licence. Je fais la commande git pull origin main et donc comme il vous l'indique ici, il a trouvé de nouveaux fichiers qu'il a ramené sur la machine en local. On vérifie et dorénavant en local j'ai aussi les fichiers licence et readme qu'on a rajoutés sur euh, GitLab. Donc euh, n'oubliez pas, donc le push c'est la façon de pousser le code sur GitLab. Uh, pool, je, je vous détaillerai parce qu'en fait c'est plusieurs opérations. Uh, c'est à la fois fetch, ça veut dire je récupère ce qu'il y a sur le repository distant, et uh, derrière uh, c'est uh, la récupération uh, de ce qui a été fetché. Ça vous le met dans la branche locale où vous êtes. Il y a deux façons de le faire uh, les méthodes c'est rebase et uh, merge. Moi par défaut, si je l'ai laissé correctement, je pense que c'est un rebase, je ne sais pas s'il l'indique. Je pense que oui. Mais on verra ça dans une autre vidéo. Je pense que ça fait déjà pas mal. Donc à la fois désolé, pas désolé d'avoir galéré avec vous, puisque euh, bah, ça vous montre d'abord, un, que je suis un être humain, il n'y a pas de raison. Et ensuite, qu'il euh, bah, y avait un certain nombre d'autres choses à faire, notamment rajouter une clé SSH. Donc euh, je vais essayer de faire une vidéo qui va déjà condenser tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Euh, ou alors par petites étapes, peut-être que vous préférez que je garde ce que j'ai fait. Euh, euh, ce que j'avais mis dans la première émission, juste une initiation avec juste le git init, le git commit, les toutes petites bases. Euh, cette vidéo qui permet de pousser sur GitLab, et puis euh, on verra une vidéo suivante avec un peu plus de détails, par exemple comment récupérer un projet existant, enfin ce, ce genre de choses en plus. Et bien sûr, rajouter, euh, je rajouterai dans la vidéo la gestion de cette clé SSH. Au passage, ça me semble assez important. Voilà. Euh, je vous ai tous tués parce que vous comprenez rien ou alors vous saviez déjà tout et vous vous êtes marré à regarder quand je galérais, je ne sais pas. Euh, Dites-moi en commentaire s'il euh, si y a des questions qui traînent. Euh, Patrice, je pense que je t'ai perdu en route parce que j'ai mis par erreur un petit coup d'accélération en me trompant, je pense. Euh, on peut bien sûr faire un petit coup de support euh, avec le Discord, on peut reprendre tout ça calmement. Aha. Euh, je vais de toute façon, euh, c'est sûr et certain maintenant là. Je vous l'avais dit en début de live, mais euh, c'est sûr et certain que je ferai des vidéos propres, que je, montrerai, je monterai proprement euh, pour qu'il n'y ait pas de, de petites confusions comme là dans le live. Le live, ça vous montre ben, les erreurs potentielles qu'on peut rencontrer, c'est toujours bien, mais euh, pour avoir une petite référence, c'est mieux d'avoir un truc euh, plus, plus propre. Donc voilà. Euh, bah, à partir de là, je vous ai mis le lien, je le passerai à Philippe. Euh, pour qu'il ait les bouts de code euh, que j'ai montrés l'autre jour, oui, petit détail très important. Si je vous ai montré euh, avec ce répertoire de code, euh, avec le projet Cam Live, euh, les manipulations d'API qu'on a vues l'autre jour euh, dans le live précédent, euh, c'est tout simplement parce que suite à mon dépôt sur YouTube, j'ai fait euh, comme je fais d'habitude un tweet qui mentionnait Cam Live. J'ai vu qu'il retweetait. Et je me suis dit ah, j'avais dit qu'il fallait que je sois très clair là-dessus donc je leur avais refait un tweet en leur disant euh, est-ce que c'est ok de partager l'utilisation de cette API, parce que je voulais être sûr que ça soit une API vraiment officielle et puis qu'elle soit vraiment euh, utilisable telle que, que j'allais pas à l'encontre des conditions d'utilisation du logiciel il y a plein de choses à redire là-dessus le côté open source tout ça c'est pas la question, j'ai acheté le logiciel il vient avec une licence et un contrat commercial et ils m'ont répondu, après on a échangé euh, par, par message privé je leur ai expliqué ce que je faisais euh, que c'était pendant un live, que c'était une émission, que je cherchais à expliquer, partager les informations. Ils ont dit il n'y a pas de souci. Euh, euh, j'étais pas en train de monter. Leur, leur souci, c'est que j'étais pas en train de monter un produit que j'allais vendre derrière. Là, par contre, ça, ça allait à l'encontre. Donc là, il n'y a pas de souci pour partager. Je leur pointerai de toute façon le repository de code. Ils pourront vérifier. Mais pour vous dire que voilà, ça va être ça va être J'ai collé une licence MIT en live en même temps. J'espère que ça. Ça correspondra, il n'y a que du code à moi, donc il n'y a pas de raison que ça colle pas. Mais en tout cas, voilà, ils m'avaient donné leur accord pour euh, partager euh, l'usage de cette API. Voilà, j'ai encore trop parlé, on a fait encore plus d'une demi-heure. Euh, j'ai oublié chose que je m'étais promise de faire dorénavant, de me mettre un peu d'eau à côté euh, pour boire un coup en cours de route parce que c'est pas tout ça, mais ça assèche. J'espère que vous allez passer une bonne semaine. Euh, Qu'est-ce qu'il y a ce mercredi Est-ce que je peux vous faire un live euh, Je risque de partir un peu tôt. Je vais voir, c'est pas sûr, mais euh, si c'est pas mercredi, je pourrais vous le faire jeudi. Euh, N'hésitez pas à me euh, tweeter ou faire des emails ou nous rejoindre sur le Discord pour en parler, pour me dire euh, eh bien, euh, ce que vous aimeriez voir dans le, le prochain live euh, mercredi ou jeudi. Euh, je pense qu'on fera comme l'autre fois, on va pas enchaîner les vidéos sur Git. Surtout là, il me faut le temps de rendre ça propre. Donc, euh, donc on va respirer un peu autour de Git. Je sais que j'aurai des questions sur Discord de Charles et Patrice. Et c'est avec plaisir que nous y répondrons, parce qu'il n'y a pas que moi qui peux répondre sur le Discord. Il y a des tas d'autres personnes compétentes sur le sujet. Ben, on va se, se quitter là-dessus. Je vois qu'il n'y a pas de questions qui sont apparues. Euh, voilà. J'espère que vous êtes en train de faire une sieste et que vous vous reposez en même temps. <laughs> et puis, eh ben, je vous dis euh, à mercredi ou à jeudi, passez une bonne semaine en attendant et à très bientôt